Tic. J'arrive, l'esquive là. Oh putain, celui-là tu vas pas voler. Ha ha. Désolé. Parce que là. Ah, Ostro, ça y est. Ostro, je vais défoncer la gueule. Hein. Voyons voir l'objet. Ah putain, c'est de la merde. Ah, mais moi je fais un ouf. Je rirole avec votre D6 là. Voilà. J'ai gagné le niveau. Je vais en profiter pour vous montrer une petite recette pas chère, gastronomique et qui remplit l'estomac tout de suite dans la cuisine. J'ai failli oublier ma tanque là. Bonjour, je suis Esther Schiff. Vous êtes sûrement aperçu dans un épisode où je battais Pierre en plein de couture et je m'aille parce que quand même, c'est un peu moins chaud d'être un PG que là. Un petit... Sérieux mec? Ouais d'accord, c'était pas ça de bonjour, mais je l'ai battu et il a dû manger une cuillère de cannelle. Et nous aujourd'hui, nous allons faire le charmant des recettes, tout de suite, The Cracking of Isaac. Isaac! Isaac! Les ingrédients aujourd'hui, des pâtes spaghetti numéro 3, cuisson de 5 minutes bien sûr, des claquilles fraîchement trouvées dans le rayon frais, des cordes ACDC du Stade de France qui s'allument bien évidemment, ensuite de l'huile d'olive, toujours les Italiens, et la force de la recette, le basilic. Afin de gagner du temps, on va commencer tout de suite par remplir la casserole d'eau chaude ou froide, de toute façon on s'en fout, on va finir par les manger ces claquilles, voilà, je vais remplir. Voilà, une fois que le niveau est bien élevé, je vais allumer tout de suite, bien sûr, les plaques puissance 9 afin d'atteindre les 373 degrés Kelvin à la louche. Hein. Et j'augmente à 9 donc, et je mets le couvercle pour que ça chauffe plus vite. Et je mets sur le bon feu évidemment. On enchaîne tout de suite avec les ingrédients, mais d'abord, oh bah tiens, le cadeau que j'ai gagné! Le couteau de Binding of Isaac, punaise! Et celui-là, il fallait le revoir, hein, je te le dis. Donc on commence tout de suite avec les ingrédients. Je vais ouvrir le paquet de knackis. Alors, moi, ma technique, c'est de l'ouvrir entre les deux. Entre les deux knackis, évidemment. Donc, on va commencer par couper, toujours par paire. C'est bien plus efficace. Là, hop, je coupe. Je coupe. Donc, bien évidemment, hein, j'en fais que deux là pour la démonstration. Mais il y en aura beaucoup plus. Hein. Je prends les spaghettis 5 minutes de cuisson, toujours évidemment. C'est les numéro 3 parce que les numéro 1, c'est pas assez épais. Et donc du coup, vous risquez de perdre votre spaghetti. Vous comprenez, c'est pas facile tous les jours la vie de Master Chief. Hein. Voilà, la première spaghetti est prête. Alors, je vais pouvoir continuer avec mes secondes spaghettis. Et l'astuce du chef, bien évidemment, vous prenez 2 ou 3, hein, bien sûr, spaghettis. Voilà, vous les assemblez ensemble, là, et vous prenez les knackis. Bon, c'est une opération un peu plus délicate, et vous les enfoncez bien profondément. Oui, dans Film à Gamer, on adore enfoncer les piques. Et donc là, j'enfonce la gazmère, hein, c'est les knackis, bien sûr. Hein. Donc, je les enfonce jusqu'au bout du travail d'orfèvre. J'ai toujours adoré faire ça, et c'est toujours fait à l'orfèvre, man. Donc là, vous avez le maxi spaghetti brochette knacky. Et ça vous fait bien sûr The Cracking of Isaac. Maintenant que le bout, je vais prendre un peu de sel. Voilà, moi je prends le gros sel, hein, bien évidemment. Vous pouvez prendre le sucre fin, ça ne changera rien. Je balance ça là-dedans comme si c'était Mère Teresa. J'ai plus qu'à fourner ça dans la casserole en y allant délicatement parce qu'elles peuvent se rompre, hein, vous savez. Voilà, je les mets délicatement, ça me brûlait bien sûr. J'en oublie une donc. N'oublie pas le reste des spaghettis. Ça peut arriver que quelqu'un oublie, soit il est trop bourré, je sais pas, moi. Et vous les insérez comme ça et vous attendez. Un peu de magie, bien sûr, et hop là. En raison d'un problème technique dû à un manque de skill évident du technicien, le son de la scène suivante n'a pas été enregistré. Par flemme, nous avons préféré demander à Monster Chief de se doubler lui-même plutôt que de tourner de nouveau la scène. Nous vous remercions de votre compréhension. Bossog, ici Master Chief. Malheureusement, j'ai foncé tête baissée sur Vectaki comme un con et j'ai pas capturé le son pour cette séquence. Alors forcément, je vais devoir commenter par-dessus. Je vais prendre un peu de recul d'ailleurs, parce que ça fait un peu de bien de prendre du recul sur sa propre recette. Voilà, nous sommes sur le dressage de l'assiette.
Voilà, donc moi je conseille forcément de mettre un filet d'huile d'olive histoire que ce soit harmonieux dans le geste, un peu de délicatesse dans le geste, pas comme le pâté encore une fois que j'ai fait. Ça me rappelle un peu la sauce escargot que j'avais posée là. Souvenez-vous. Voilà, ensuite, un peu de paprika sur les angles des assiettes si votre assiette est carrée forcément. Et si elle est ronde, bah, vous débrouillez quoi. Moi je ne fais pas les assiettes rondes, c'est pas mon problème. Un peu de verdure là pour faire un peu provençal comme chez moi. Et vous prenez une petite PC que vous allez d'abord mettre dans votre main, histoire de délicatement choisir la quantité à mettre. Là, par exemple, j'en ai même mis un peu trop là, sur la partie basse de l'assiette, là. Ensuite, vous prenez vos ingrédients et bam, vous les foutez là-dessus comme ça, là, on s'en bat les couilles de toute façon. Hein, quand on va à Paris, on fait une déco de ouf là. Et les gens, ils s'en foutent finalement. Hein. Qui est parisien qui a déjà été au Louvre, forcément. Moi, je suis parisien, j'ai pas été au Louvre. Là, je suis pas parisien, je suis du Sud. Bon. Allons tout de suite dans le salon pour la suite de la recette. Oh, une recette alternative avec de la sauce tomate faite maison, par mes soins bien évidemment. Oh. Ah, merci, vous me flattez. Repartir sur Binding of Isaac, mais bien sûr, avant, je goûte la recette. D'accord, les ingrédients très simples. Je vais mettre en haut du four, surtout. Du cercle.